Ah, c'est pas beau ça? Et ouais, je suis en fin de retour. L'été est arrivé. Ça fait. Oh, ça doit faire au moins. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera postée, mais ça doit faire au moins. Ça fera au moins 2-3 mois que j'aurais pas posté de vidéo. Et je m'en excuse. Mais voilà, j'ai filmé quand même pendant ce temps-là. Je suis allé en Corse. Donc j'espère que j'aurai assez de contenu pour vous faire au moins 3 ou 4 épisodes de Corse que j'essaierai de monter le plus vite possible. J'ai vraiment pas eu le temps avec le travail. J'ai été aussi un peu feignant ces derniers temps, donc j'ai pas trop pris le temps de faire le montage. Donc ça a un petit peu traîné. Mais en tout cas, je constate qu'on est toujours quand même de plus en plus nombreux sur la chaîne. On est presque 2000. Donc peut-être que quand la vidéo sera postée, on sera déjà 2000. Je sais pas. J'espère. Donc voilà, ça fait super plaisir. L'été est là. Je vais aussi peut-être aller pêcher un petit peu. J'espère que j'aurai le temps. De faire quelques belles pêches, mais en tout cas voilà. Je fais aussi cette intro parce qu'en fait quand j'étais en Corse, j'ai tout simplement j'ai filmé une intro que j'ai cru que j'avais, et en fait à mon avis j'ai dû bugger avec la GoPro et ça a pas enregistré. Donc juste deux choses, voilà, j'ai une nouvelle GoPro, je sais pas si vous le voyez un peu. Là je filme un peu les environs mon jardin. Je suis en 1080p avec la GoPro Hero 6. Donc normalement, déjà les vidéos ont une meilleure qualité. Et puis j'avais aussi, c'était aussi l'occasion en Corse de tester une nouvelle canne, un nouvel ensemble que vous verrez. Voilà, je mettrai tout ça dans la description. Comme je vous l'ai dit, il y aura 3 ou 4 épisodes de Corse. Et puis, écoutez, on se retrouve là-bas. Allez, hop! Matinale là, plage. Viens Youssef, on va faire quelques lancers d'appui de rocher parce que là-bas il y a des pêcheurs. Ouais, ça va être chaud là. Toi tu fais tac tac tac, tu fais des pauses, ça imite un poisson un peu à blesser qui est agité, tu vois, et ça excite les predators. Bon, je vais laisser pêcher Youssef. En attendant, je vais vous montrer une petite vue là de l'île Rousse et de la plage. Regardez-moi ça, notre poteau David qui est là. Allez, fais-moi un lancer du diable. Oh mec, c'est pas bon ça. Voilà, pendant qu'il y en a qui pêchent pour ramener à manger, il y en a qui jouent au molki quoi. Pour les favelas de Versailles, fraté. Mec, ça passe sur YouTube. Hein. Allez! Allez, c'est parti pour petite session pêche là. La dernière fois, j'ai rien pris, puis après j'ai pas pêché pendant quelques jours. Après il a fait mauvais temps, depuis 2 jours il pleut, et là il y a une petite éclaircie, on va voir ce que ça donne. Et je suis avec un collègue pêcheur là. Et voilà, on va voir s'il y a du poisson. Hein. Allez, à plus tard s'il y a du fish. Oh, ça y est, fish on. Benoît. C'est un petit, c'est un lézard ça, à tous les coups. Wouah, wow. Ah, une vive à la con. Allez, retourne dans l'eau toute seule. Là on a un bon spot, il y a vraiment du fond là, assez rapidement. Ça peut être pas mal. Oh, j'ai un fish Benoît. Ça y est. Je sais pas ce que c'est du tout, c'est petit. Hein. Ah, c'est un lézard. Ah non, c'est une vive encore. Putain, elles sont immenses ces vives ici. Hein. Voilà. Putain, elle a tiré fort, mais après j'ai vu que c'était un petit quoi.
Allez, on continue. Bon, là, on va aller au récif qui est tout là-bas. Oui, bah, j'espère. On va marcher un peu et on va se retrouver au bout de la plage au récif. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Au pire des cas, on s'abritera sous la cabane, on attendra que ça passe. Je pense que ce sera passager, quoi. Sauf si c'est les nuages d'en face qui sont un peu menaçants, là, mais bon. Bon, bah, il pleut toujours. On est en train de faire une petite pause en attendant que ça se calme. Puis on va aller au bout de la plage. Ça, c'est pas très dense, mais ça s'arrête pas, quoi. En montagne, c'est pas terrible non plus, quoi. Bon, on est reparti en espérant que ça pleuve pas trop. J'ai repris ma petite canne légère là avec mon sustain. Et c'est vrai que c'est plus dur de lancer avec cette canne, j'ai l'impression. Ah, mais c'est tellement différent de pêcher avec cet ensemble qu'avec le Saragossa, c'est le jour et la nuit, quoi. En termes de légèreté, j'ai bien fait de changer. Ah, ça y est, fish on. Premier fish sur ma canne. C'est encore une merde. Il est où ce con? Allez, pas Benito. Allez, il s'est repli tout seul. Allez, va-t'en. Bon, pas de miracle. Pas de miracle ce soir. Hein. C'était une séance courte, hein. On est resté à peu près 2 heures. Pour terminer, petit panorama sur le Reginu. Je pense que ce qu'on voit qui dépasse là-bas, normalement, c'est le Monte Cinto, mais je suis pas sûr à 100%. Voilà, la plage de Losari. Magnifique. Petit coucher de soleil. Bon, on n'est pas bredouille parce qu'on a pris 3 petits poissons, mais bon, l'important c'est de sortir et de se faire plaisir. C'est trop beau ça. Allez, à bientôt la plage. Tellement sauvage. Voilà, on est de retour à la maison. Donc le programme pour la fin du séjour, ce sera peut-être un petit tour de Corse. Avec éventuellement pour changer un peu de la mer, un peu de montagne. Donc on va peut-être se faire des randos ou des petites balades, hein. En montagne, on verra en fonction du temps. Et puis si je peux pêcher soit en rivière, soit au bord de mer, de toute façon on fera d'autres plages, peut-être plus au sud. Donc voilà, on verra demain en fonction du temps et puis en fonction de notre motivation. Et puis là, on a un petit coucher de soleil qui se prépare, très sympathique. Voilà, allez. À demain, ciao!